faites attention là-bas pour les passages ici avec les différentes arrivées. Je vais vous donner les noms et Thomas Ditch. Merci de vous saluer avec le podium scratch du 56 km, le Roc d'Azur, il est troisième. Vous saluez pour le team Versus, Sébastien Carabin. Sébastien Carabin, troisième. Sur place, Sébastien Carabin. À la seconde place, à la deuxième place, il roule pour le team Specialized Racing. Il est champion du monde de VTT Marathon. Il a remporté vendredi le Roc Marathon. Il fait deuxième du Roc d'Azur Elite. Les applaudissements pour Christophe Sanzer. Il n'est pas là pour le moment. Le trophée Roc pour Moritz Milat. Non, il peut aller, Moritz. Oui. On va pas le priver plus longtemps. Du plaisir d'être sur la plus haute marche. Les applaudissements, s'il vous plaît. Ils ont fait une superbe course. Give me a reason, I can't love. Do you feel it too? On va applaudir tout le monde, on applaudit tous les bénévoles du Roc d'Azur, s'il vous plaît, on y va, le public. Voilà, bon, c'est le premier et le troisième. Allez. Les applaudissements très forts. Merci beaucoup pour Nicolas Beaulieu. Troisième place. Deuxième place et bon anniversaire pour Jeff Lutens. Jeff Lutens pour ce podium ici d'anniversaire. 19 ans. 19 ans pour Jeff avec des belles performances en Coupe du Monde et également ancien champion de Belgique. On l'applaudit à nouveau très fort. Sébastien Carabin. Et on va demander à monsieur Hakim Zilani, conseiller municipal à la ville de Fréjus, de nous rejoindre pour le remettre son trophée et la victoire. Aguera. Sébastien Carabin qui, si je ne m'abuse, c'est son premier podium aussi chez les moins de 23 ans. Il était temps d'en profiter parce que l'an prochain, il a encore une année de moins de 23 ans. Sébastien Carabin, vous le saluez s'il vous plaît, les podiums, vous saluez s'il vous plaît, le podium des moins de 23 ans. Junior Dame et s'impose dans ce Roc d'Azur. Junior Dame, vous les applaudissez à nouveau bien fort. Merci beaucoup, mademoiselle. Bravo. Pour lui remettre son prix, c'est donc Michel Ting, conseiller municipal de Roquebrune-sur-Argent, qui nous rejoint, voilà, et qui lui remet son trophée. Et pour la deuxième place dans cette catégorie, Josia Bernerski. Monsieur Hakim, vous aurez la chance de remettre le trophée au promu. La victoire dans le Roc Challenge, Sylvain Engelmann. Merci beaucoup messieurs,
On va vous demander de faire place nette. On a encore 5 minutes. Pour la victoire des cadettes, elle nous vient d'Emilie at the second place for us, the third place for cadet women, Emilie Colon. From Germany, Sofia, we the not. Et M. Philippe Mougin, le grand tourisme de la Ligue de Pégus, qui nous a rejoint pour remettre le trophée. C'est une junior, une cadette de deuxième année, pardon, l'année dernière, déjà présente ici, Sofia, sur le Roc d'Azur. Elle avait fait une belle performance qui laissait présager sa victoire cette année. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît, très, très fort. Le doublé allemand sur les cadets. Victoire dans le Roc d'Azur pour les cadets, pour le team Fiat Rotwind, the winner today, Lucas Baum. Non, il va lui remettre donc ce trophée, on peut applaudir un peu plus fort s'il vous plaît, Fréjus, le dernier podium. International, Allemagne et Norvège. Bon, on est presque...